Petite lucarne d'espoir pour la MHR, la deuxième mi-temps ce week-end face au Stade français. Menés 19-9, les Montpelliérains ont su trouver les ressources pour égaliser et engranger leurs deux premiers points de la saison. Vendredi, c'est le derby face à Perpignan, un deuxième déplacement d'affilée où le staff espère revoir le même investissement de la part des joueurs que lors des 30 dernières minutes à Paris. Je crois que si on se dit qu'on a une blocation de comportement dans l'engagement physique, dans le combat, dans le don de soi, après peut-être on peut avoir une bonne surprise, mais je crois que même un bonus défensif à Perpignan serait le bienvenu. En plus, bien sûr, quoi. Hein. Mais à l'état actuel des choses, on a besoin de se rassurer sur des choses simples. Des choses simples, comme la conquête ou la défense. Après, le reste devrait suivre. Montpellier est encore en rodage. Parmi les titulaires du moment, de nouveaux joueurs qui n'ont pas encore totalement assimilé le plan de jeu. Des automatismes restent également à trouver. Et c'est encore plus vrai pour le jeune demi-mêlée Eric Escande, qui ne s'attendait pas en début de saison à être titularisé. Il le sera face à Perpignan. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer au niveau du plan de jeu dans le système de jeu de Montpellier. Puis au fur et à mesure, j'ai avec Julien Thomas qui m'a beaucoup aidé. Il m'a bien orienté et je commence à bien me sentir dans le groupe. À la blessure de Benoît Payoc s'ajoute celle de Julien Thomas. 4 semaines durant lesquelles Escande dirigera la mêlée. Il a déjà marqué des points, c'est lui qui a inscrit l'essai de l'égalisation face au Stade français.